Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je l'ai déjà fait ce matin, mais ce n'est surtout pas le sujet. Alors, regardez, par contre, voilà ce que je fais tous les matins depuis 2 semaines déjà pour mon dos. Parce que j'ai encore très, très mal au dos. Hein. Ce n'est pas étonnant parce que tout à l'heure, je vais vous montrer dans quel état j'étais il y a un an. Alors, pour l'instant, voilà ce que je fais. C'est un bambou. Alors, deux fois, j'aimerais faire au moins cinq, mais déjà, vous voyez, au troisième, ah, ça tire beaucoup. Alors, de l'autre côté maintenant, deux, trois. Et le dos, regardez qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Ah, ça tire beaucoup, mais ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça fait très, très mal aussi. Mais bon, c'est normal parce que là j'ai le dos vraiment dans un mauvais état. En fait, ce qui s'est passé pendant un an environ, mais bon, c'est psychologique aussi, lorsque à tout coin de la rue, on vous traite sénile, vous n'avez pas envie de vous redresser et d'être fier de vous. Au contraire, vous rasez les murs et tout. Alors, pour vous montrer, il y a un an, voilà, ça c'était moi. Les gens, ils ont eu peur. Ils ont même traversé le trottoir. Ils se sont dit, elle est droguée, attention. Ouh là là, on ne sait pas si elle n'est pas dangereuse et tout. Ça m'a fait très très mal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut assumer et puis c'est tout. Bon, alors donc maintenant, il va falloir vraiment réparer les dégâts. Alors, pour vous dire justement, alors le Rubik's Cube, ça m'a ramené à la vie, c'est formidable, etc. À tel point que quand j'ai découvert la vie, c'est comme un enfant qui découvre le Père Noël. Je veux tout, 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 tout de suite, encore une fois, même aller sur Mars. Là, je suis redescendue sur Terre et maintenant, je suis en chantier, hein, vraiment, hein, on peut dire ça ainsi. Et même les hanches, ils sont. Je marche, mais ça craque. Alors j'ai trouvé quelque chose, par exemple, voilà. Côté gauche, ça ne marche pas. Côté droit, depuis 2 semaines, hein, vous avez vu. Voilà, c'est pas très joli. C'est pas très gracieux. Je suis très très contente. Chaque jour suffit sa peine. Petit à petit, je vais réparer tous les dégâts, etc. et tout. Et pour en revenir aussi au Rubik's Cube, j'ai promis que je vais essayer de battre mon propre record. Et je ne sais pas si ça va marcher. On verra. Et en plus, maintenant, ça ne suffit pas. Il va falloir ajouter la lecture, un petit peu d'exercice de mémoire, par exemple, et puis d'apprendre à compter jusqu'à 5 sur certaines langues et tout. Bon, comme je vous dis, le chantier est énorme. Sur ça, je vous souhaite une très belle journée et si mon vidéo qui vous a plu, et n'hésitez pas de commenter et de vous abonner parce que maintenant je compte faire tous les jours quelques exercices pour vous montrer surtout aux personnes qui ont eu les mêmes problèmes que moi. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.